walk in a house. I got Fendi and Prada in my house. Chaîne YouTube, je suis contente que vous soyez là. J'espère que vous allez bien avec la quarantaine, que vous vivez pas trop ça difficilement. Moi, ça va bien. Je fais juste commander des trucs, puis je reçois plein de colis, puis ça me rend vraiment heureuse. Donc aujourd'hui, je vous filme une petite vidéo parce que ça me tentait. J'ai pas. Ce n'est pas une collaboration. J'ai acheté ça avec mes propres sous. Donc j'ai fait une assez grosse commande sur le site Shein. Shein. Je sais pas comment ça se prononce. Shein. On va dire Shein. Bref, j'ai fait une commande sur ce site-là. Puis c'est la première fois que je commande, me semble. J'avais commandé des maillots. Mais je me rappelle plus si c'était Zefo ou si c'était Shein. Bref, c'est la première fois que je commande des vêtements. Puis j'avais envie de vous montrer ça. Puis de partager ma petite commande avec vous. Puis aussi vous dire côté qualité. Puis la question que je reçois le plus ces temps-ci, depuis que j'ai mis mon colis en story Instagram, combien ça a pris de temps le recevoir et tout. Donc moi personnellement ça a pris 3 semaines, un petit peu plus que 3 semaines. Puis c'était long pour rester, un petit peu plus long que la normale, mais c'est arrivé en 3 semaines. Mais là j'ai des filles qui m'ont dit qu'eux ils étaient pas encore arrivés, ça faisait plus qu'un mois. Mais je pense que c'est parce que les colis partent pas tous dans la même place. So that's why. Fait que c'est ça, moi ça m'a pris 3 semaines de les recevoir. Puis quand c'est arrivé, je me suis levée de mon lit assez vite. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer les vêtements et accessoires parce que j'ai aussi commandé des accessoires. Puis ensuite, je vais les essayer puis je vais vous montrer de quoi ça a l'air sur moi. So let's do it. Ah, en passant, il y a un petit changement sur moi. Oui, j'ai coupé les cheveux. J'ai encore mes rallonges. Parce que je suis pas capable de les enlever toute seule, puis j'ai trop peur. Je pourrais, mais j'ai trop peur, puis j'attends l'aide de mon coiffeur. Mais j'ai décidé de les couper parce qu'ils étaient comme vraiment maganés, puis ça tire parce que je serais due pour un changement de col. Fait que ça faisait vraiment mal. Fait que là, vu qu'ils sont moyens, ça tire moins, puis je les sens moins haut. Fait que, mais j'aime ça. C'est pas. C'est sûr que c'est pas comme les cheveux longs, mais c'est sûr que je vais me refaire mettre des extensions parce que j'aime trop ça. Fait que c'est ça ma petite parenthèse. Mes petits cheveux. So, sans plus tarder, je vais commencer par les accessoires. Okay. Donc, premier accessoire, si vous voulez. Donc, c'est ça, j'ai commandé une petite bourse comme ça, un petit baguette bag qui se met comme ça. Je sais pas si on voit bien. Il est comme en cuir crocodile. Je l'aime vraiment. C'est vrai, ça fait vraiment longtemps que je me cherche un sac comme ça. Puis j'en trouvais vraiment pas nulle part. Même Zara, il n'y en avait plus. Même Zara, il n'y en avait plus, donc bref, il m'a coûté 12$, je vais vous dire les prix aussi, là. Il valait 12$ canadien. C'est vraiment pas cher. Pour la qualité, sérieusement, j'étais surprise de la qualité. Peut-être qu'il va briser ou peut-être, je sais pas, mais pour vrai, pour l'instant, on dirait vraiment que je l'ai payé 50$. Que je l'aime vraiment. Il est un petit peu plus gros que je pensais. Mais c'est vraiment cute. Je suis vraiment contente. J'ai hâte de l'agencer avec mes outfits. Bon. Donc c'est ça pour la petite bourse. Ensuite, oh my god. J'ai commandé un paquet. Quand je vous dis un paquet. De petits scrunchies comme ça en soie. C'est-tu de la soie? C'est comment? Puis pour faire, il y a tellement des couleurs, il y a blanc, beige, mauve, un petit rose comme ça, jaune, beige, noir, sérieusement là. Tout ça pour, si je me trompe pas, 5$. Fait qu'on va se le dire. Puis pour vrai, ça a pas l'air, c'est pas des élastiques, on voit l'élastique au travers, mais une fois dans les cheveux, on le voit pas. Puis j'ai bien hâte de voir s'ils vont péter dans mes cheveux. J'ai vraiment pas les cheveux épais, fait que c'est sûr que ça sera pas difficile. Mais pour vrai, j'ai trouvé tellement un cute. J'en ai plein. Fait que c'est sûr qu'avec chaque outfit, je vais toujours avoir un chou dans les cheveux. Fait que c'est ça. 5$ pour tous ces choux-là. Ces choux-là. Donc il y en a 6. Fait que je dirais qu'ils sont même pas 1$ chaque. C'est vraiment pas cher. Puis pour vrai, j'en ai. Ils sont vraiment cute. Fait que c'est ça pour le deuxième accessoire. Ensuite, j'ai commandé. Je sais que c'est pas.
beaucoup quelque chose de gros. J'ai commandé des petites barrettes. Comme ça. Parce que j'en trouvais pas nulle part non plus. J'étais allée au Dollarama, tu sais, puisqu'on est en quarantaine, il n'y a pas tout qui est ouvert non plus. Mais j'en trouvais vraiment pas. Fait que j'en ai vu sur ce site-là. Il était à 4$ pour le petit paquet. J'en ai une dizaine, pour vrai. J'ai or, noir, puis argent. Parce que, je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais j'ai toujours un bandeau dans les cheveux où j'attache mon toupette avec des bobépines. Là, je l'ai pas fait parce que quand je les frise, c'est moins bien. Mais mon toupette, il rendait une longueur que genre. Ceux qui ont un toupette vont comprendre. Fait que je mets des petites clips. C'est cute en même temps. Fait que c'est ça, j'ai commandé des petites barrettes comme ça pour un prix de 4$. Fait que c'est vraiment pas cher. Ensuite, la mode de la grosse bourse est revenue, la gang. Fait que j'ai commandé une grosse bourse comme ça. Elle coûtait 21$ canadiens. Tous les prix que je vous dis sont en canadien. Puis la qualité, genre, wow. Là, elle est comme ratatinée à cause du transport. Là, je vais mettre quelque chose de gros dedans pendant une journée, comme, puis elle va finir belle. Mais ce côté rangement à l'intérieur, tu sais, écoute, je pourrais mettre mon chien dedans, comme rien grosse. Fait que je la trouve vraiment belle. Je vais vous montrer comme ça, de quoi que ça a l'air. Elle est comme en crocodile aussi, mais pas luisant. Elle est vraiment en cuir. L'autre, la petite bourse, était comme en cuir luisant, mais celle-là, elle est comme vraiment en cuir. Pour vrai, je l'aime, ça va tellement être pratique parce que toutes mes bourses, mon portefeuille rentre pas dedans. Je veux pas me débarrasser de mon portefeuille parce que c'est un Calvin Klein puis je l'aime. Fait que celle-là, elle va être parfaite. Je suis vraiment contente, 21$ pour ça, écoute, sans commentaire. Ensuite, on passe aux vêtements. J'ai commandé 3 petits tops. Le petit top rose, vraiment trop cute. Avec les petits boutons en avant. Puis il est comme lignée. La qualité est vraiment belle. Pour vrai, je vais l'essayer. Je vais l'essayer tantôt puis je vais vous montrer. Là. La qualité est tellement belle. Je l'aime trop. Je n'avais pas de rose comme ça. Puis je vous ai dit dans ma dernière vidéo que j'allais commencer à mettre de la couleur. Fait que j'ai tenu ma promesse. J'ai commandé plein de vêtements de couleur. Fait que c'est ça pour celui-là. Puis en plus, ils viennent tous dans des petits sacs, genre comme ça. Genre, c'est vraiment nice. Ensuite, prochain vêtement. Un petit baby blue top, comme ça. Celui-là, côté qualité, mettons je dirais un 5 sur 10. Genre beauté, c'est 10 sur 10, là, vraiment, il est vraiment beau. Mais quand je l'ai mis, il a craqué. Fait que peut-être que j'aurais... Mais si j'avais pris plus grand, ça aurait pas été aussi beau sur moi. Mais tu sais, regardez, il y a comme des petits fils. Puis quand je l'ai mis, ça a vraiment craqué. Fait que si vous l'achetez, soyez prudent. Je vais essayer de vous link les articles pour que vous puissiez aller les voir sur le site et les acheter si vous voulez. Mais c'est ça, celui-là, il est vraiment beau. Je vais le mettre là, quand même. Tu sais, côté confort, il est vraiment confortable. C'est juste que, c'est ça, quand je l'ai mis, il a craqué. Puis il y a comme des petits fils qui ont... Mais ça se coupe puis ça s'arrange. Fait que, tu sais, je l'ai quand même juste payé 11$. Le petit rose, je l'ai étudié. Je l'ai payé 11$, mais le petit rose aussi. Fait que, tu sais, 11$ pour tout, c'est vraiment pas cher. Et ensuite, le dernier morceau, mon préf de tout, j'avais tellement hâte de le recevoir. C'est un petit chandail blanc comme ça, il a l'air vraiment simple, mais regardez le dos. Là, on voit pas, je vais vous montrer tantôt sur moi, mais le dos est ouvert, puis il y a une petite corde. C'est qu'on peut l'attacher, comme dans le bas. C'est sûr que si je vous montre comme ça, vous voyez pas vraiment ce que ça donne, mais pour vrai, là, ça fait tellement beau sur quelqu'un. Celui-là, côté qualité, côté confort, c'est vraiment 10 sur 10. La seule affaire, c'est que, vous allez voir quand je vais le mettre, il est un petit peu trop large des bras. T'sais, vous voyez, il n'est pas collé sur la peau. Puis, il est vraiment, 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 vraiment transparent. Fait qu'il faut mettre des petits cachetés, ou bien une petite brassière qui colle. Parce que juste pas de brassière, on voit pas juste la petite ligne qui sort quand t'as froid, on voit tout au complet. Fait que c'est ça pour ma petite commande Shein. Je suis vraiment contente. Tous les morceaux font extrêmement bien. Tout est vraiment parfait. Puis tout est comme je m'attendais à avoir. Côté couleurs, puis toutes les couleurs, c'est vraiment comme c'est indiqué sur le site. Puis c'est ça. Le petit top blanc, il m'a coûté 11$ aussi. Donc tous les petits tops que j'ai achetés étaient à 11$. Puis je pense qu'ils sont en spécial en ce moment. Oh my god! Ils ont un spécial de 1 cent. Le prix normal, c'est 11 et 1.
J'étais contente de vous dire qu'il était en somme, mais non. Fait que c'est ça. Sans plus tarder, je vais les essayer. Fait que... Donc, voilà le petit top rose. Il est tellement cute, je l'aime. Je sais pas si on voit bien. Fait que, il est comme ça. Il est comme vraiment beden. Si vous aimez pas ça, beden, c'est sûr que c'est pas fait pour vous. Mais les petites manches sont comme tripées, genre. Je le trouve vraiment cute. La couleur est tellement belle, pour vrai. Là, en ce moment, j'ai une petite bralette en dessous. Puis, pas de brassière, ça ferait quand même vraiment beau. Il cache vraiment, puis il est quand même... il est pas épais, là, mais il est pas vraiment transparent non plus. Fait que, il est vraiment mignon. Je l'aime vraiment. Ensuite, le petit top bleu. Il est tellement beau. Cette fois-là, il a pas craqué quand j'avais mis. Excepté le premier essai qui était comme... Mais, tu vois, il est petit fil, là. Je vais les couper. Je pense pas que ça fasse de dommage si je les coupe. Il y a pas vraiment de couture dans le bas. Fait que, c'est ça. Il est vraiment cute. Celui-là, j'ai mis juste des petits ronds, des petits cache-tits. Puis, regardez. Fait que j'ai pas de brassière. Puis, avec une brassière, ce serait pas très beau aussi. Fait que les cache-tits, sérieux, là, c'est ma découverte de ma vie. Genre, j'ai tout le temps ça sur mes chandelles. Jamais de brassière. Fait que, c'est ça pour le petit top bleu. Il est comme une couture en dessous des seins. Fait que ça fait comme rembourrer les seins. Puis, les épaules, ça comme ça. La couleur est vraiment belle. Fait que c'est ça pour le baby blue top. Côté confort, c'est vraiment confortable. Il est pas serré. Les manches sont vraiment bien. Fait que c'est ça pour le petit top bleu. Bon, là je vais me cacher les seins parce que mes caches, on voit tout. Je vais aller m'acheter une brassière qui coule juste pour ce chandail-là parce que on voit même avec les caches. Fait qu'il est vraiment, vraiment transparent. C'est le seul défaut qu'il y a. Puis comme je disais, les manches, on slack un peu. Mais c'est pas dramatique, là, ça, c'est quand même vraiment beau. Fait que là, excusez si je me cache les boules, mais... C'est ça comme ça. Là, je voulais juste vraiment vous montrer le dos parce que le devant du chandail, c'est vraiment un chandail blanc assez simple. Fait que là, je vous montre le dos. Fait que le petit dos, il est comme ça. Puis genre, c'est le punch du chandail pour vrai. Avec des jeans, c'est tellement beau. Honnêtement, oui, avec des jogging, ça serait beau, genre. C'est tellement beau, genre. Apprécié. Fait que c'est ça, je vais aller me changer. Parce que là... C'est comme. Je suis comme pas à l'aise d'avoir les petits bouts à l'aide pendant la vidéo. Fait que. Donc, c'est ce qui conclut cette petite vidéo de testage de site. J'ai vraiment aimé faire cette petite vidéo. Fait que c'est sûr que je vais la refaire avec d'autres sites probablement. Je suis vraiment contente de mes petits achats. Pour vrai, côté qualité, le site Shein, ça vaut vraiment pas cher, mais qualité, on l'a quand même. Donc, c'est ça, je suis vraiment contente. Merci d'avoir visionné. J'espère qu'on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Donc, merci pour votre support puis de regarder mes vidéos. Je suis vraiment contente. J'aime vraiment ça, la chaîne YouTube. C'est sûr que je vais continuer. Donc, c'est ça. Merci beaucoup d'avoir écouté.